Les avants sont secs, l'année promet d'être abondante. Oui, enfin Stéphane, des promesses. Hein. Mais on est en plein dans l'avant. T'as déjà ouvert tes petites fenêtres, mangé tes chocolats. Et là, aujourd'hui, il fait sec, l'année sera bonne. C'est plein d'espoir. Ouh, t'es optimiste aujourd'hui. Oui. Bonjour. Bonjour. À mon tour, Stéphane, de te faire une petite devinette. Je perds mes feuilles en hiver, mais je ne suis pas un arbre. Qui suis-je ? Toi, parce que t'as oublié ton ordinateur, perdu les feuilles que je t'ai données, et puis voilà. Mais pas du tout, Stéphane. C'est un calendrier. Sommaire. Jean Boucaud et Johnny Rass partagent dès l'enfance leur passion pour les oiseaux. Ils imitent leur chant. Leur duel lors des concours les ont conduits à former un duo de chanteurs d'oiseaux. L'inné et l'acquis. Aurions-nous pu croire que les plantes ont une mémoire qui leur permet de reconnaître le danger? Conçus au temps de Casanova pour le plaisir, l'art de vivre et l'art tout court, les jardins d'Albertas sont un havre de beauté. Et tout de suite, retrouvons Stéphane. Il semble être à la campagne, longe ce qui pourrait être un hippodrome. Tout est vert, tout est frais, c'est septembre et il a plu. Allez, retrouve la route pour accéder au lotissement où Charlotte t'attend. Bonjour Charlotte. Bonjour Stéphane. Les enfants ont grandi, l'espace dédié aux jeux de balle n'est plus d'actualité. Une plate-bande devant le pignon voisin serait la bienvenue. Ma difficulté, c'est qu'avec le pignon, comme le sud est derrière, le soleil arrive assez tardivement sur cet espace. Et comme les terrains des voisins sont en espalier, je récupère beaucoup d'eau. Donc il y a de l'humidité et pas tant de soleil que ça. Et donc je ne sais pas quoi choisir. Mes parents ont un grand jardin, ils y passent beaucoup de temps. Et quand on se retrouve là-bas en famille, avec toutes ces couleurs, ça donne envie de s'y intéresser un peu plus. Et puis mon papa me passe des boutures, des pieds, ma sœur aussi. Et donc petit à petit, j'essaie d'agrémenter un petit peu mon terrain. Je vais aussi à Presqu'île en Fleurs. C'est un gros événement qui arrive dans ma région tous les 2 ans et dans lequel on peut trouver des espèces un petit peu rares. Donc j'essaie de trouver des choses un peu différentes de ce qu'on peut rencontrer au quotidien. Alors moi, j'aime bien les hortensias blancs avec une forme un peu comme ça. Je trouve ça tellement beau, tellement doux. Les paniculata. Ah oui, ça, j'adore. Ça, j'adore. Et puis, j'aimerais différents volumes pour quand je me pose sur la terrasse ou devant ma porte-fenêtre, avoir un massif qui change un petit peu avec le temps et quelque chose d'agréable, de doux. Alors, concernant les volumes, je m'étais dit que si c'est possible, mais je ne sais pas si ça pousserait là, mais j'aimerais bien une Dunera parce que je trouve ça magnifique. Au moment où ça prend beaucoup d'espace, je trouve ça très très beau. Mais je ne sais pas si ça pourrait aller. Bah moi je pense qu'il faut essayer, d'autant plus qu'ici on est à Cherbourg, que le climat est doux, que c'est une plante qui ne risque pas de geler, c'est son plus grand souci. Son autre souci, c'est l'hygrométrie. Ouais. Et là je pense qu'il y a suffisamment d'hygrométrie, et puis à l'abri du vent ici, on peut l'envisager plus que sérieusement. Eh bien j'espère alors. Allez, sans tarder, un dessin avec Gunera et plus que cela. Bon voilà, le mur du voisin, le pignon, la nouvelle plate-bande. Je pense que nous allons négocier 1,20 m, donc deux passages de tondeuse, de façon à pouvoir continuer de tondre confortablement au pied des fargessias. Même chose le long du talus, jusqu'au bambou. Là, un petit décroché, de façon à avoir une sorte de triangle. Voilà. Et toi, que tes buts soient plus là, ça t'embête pas trop? Non. Donc, on a parlé Gunera.
Donc évidemment, les Guneras s'achètent un peu petits, mais ça devient grand. Et sur ce terrain-là, et dans ce climat-là, où il y a une grosse hygrométrie, le Gunera va devenir magnifique. Donc, des grandes feuilles comme ça, comme des ombrelles. Au premier plan, j'aimerais avoir un arbuste, un sujet un peu vertical, un peu haut. D'accord. Un clérodendron. Il est très joli parce qu'il a des jolies étoiles. Trichotorum. C'est pas tout à fait noir. C'est plutôt violet foncé. Voilà. Avec des grandes feuilles. Face à nous, dans l'angle, une présence très lumineuse. Un Ligustrum sinensis, sunshine, complètement or. Ah ouais. Donc les Hydrangea paniculata. Il est temps qu'ils rentrent dans l'histoire. Donc il y en aura plusieurs. En fond de plate-bande, devant le pignon. D'accord. Voilà. Et dans l'intervalle, ce serait bien d'avoir des arbustes qui aiment bien ta mi-ombre et qui ont des feuillages très intéressants. Les pseudo-panax. Nouvelle-Zélande. D'accord. Et pour continuer dans le même esprit, on va installer des arbustes au feuillage persistant et coloré, mais vraiment coloré. Un peu de légèreté avec une ou deux graminées. Puisque nous sommes à l'ombre, on va pouvoir installer une ou deux fougères. Et un beau blechnum, c'est ma préférée des fougères. Voilà. En couvre-sol, quelques œufs chers. Et enfin, quelques fleurs avec des anémones du Japon, des teucriums, des sauges et puis des géraniums rosanes. Voilà. Est-ce que ça vous convient? Ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi aussi. Il y aura un cordeau qui tournicote, des mesures et des distances à respecter, un labour manuel et motorisé, un gros coup de main d'Eliott pour creuser et planter, des arbustes de toutes les tailles, de toutes les teintes, de beaux hydrangeas comme promis, des fleurs aux teintes douces, des lanternes et le mot de la fin. Je vais peut-être devoir me lever un peu plus tôt pour rester un peu plus longtemps devant ma fenêtre. Nous accueillons maintenant en plateau la lumière de Kim. Bonjour Kim. Bonjour. Bonjour Kim. Nous sommes ravis de t'accueillir. Toi, tu es maître verrier. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier? Comment tu es venue à cette matière du verre? Alors, j'ai commencé par être formée par un atelier de restauration de vitraux qui m'ont accueillie, qui m'ont formée, qui s'appelle Vitrail Saint-Georges et qui, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, m'ont appris à restaurer des vitraux du patrimoine, à couper, donc repeindre, ressertir, nettoyer et faire aussi du chantier pour la repose des vitraux. Et donc maintenant, je me les suis un petit peu plus appropriées pour amener plus ma patte et mon univers dans le verre. Eh bien justement, on a envie de voir ton univers. Alors en fait, toi, tu fais des soliflores, c'est ce qui a attiré mon œil. Quelque chose de très particulier, j'avais jamais vu en fait la possibilité de fondre comme ça le verre l'un sur l'autre. Ouais. Alors ça, c'est le travail que je mène personnellement, c'est le fait de mouler, de faire chauffer le verre sur des moules en céramique ou en plâtre, et donc de donner la forme au verre par rapport au moule d'origine et d'en faire des objets un petit peu uniques avec cette superposition de feuilles de verre que j'aime bien faire et qui va recréer un petit peu l'effet des rivières et des ondulations de l'eau. Je trouve qu'il y a beaucoup de correspondance entre le verre et l'eau. Et donc, c'est un peu cet aspect aquatique du verre que je travaille. Toi, tu utilises des verres recyclés? Oui. Donc, quand j'utilise pas du verre soufflé, donc pour tout ce qui est restauration, on utilise du verre soufflé parce que c'est patrimoine vivant et donc on utilise les mêmes matériaux qu'au Moyen-Âge, en tout cas depuis toujours. Et pour tout ce qui est de mes créations personnelles autour du thème de l'eau, des empreintes végétales, j'utilise exclusivement du verre des anciens vitrages, puisque maintenant on les remplace par des doubles vitrages, ce qui est très bien. Mais donc, du coup, toute cette matière première qui existe, c'est vert. Mais chez les gens. Voilà. Ah, voilà. J'étais encore dans c'est les ça. Églises, moi. Non, là, on n'est plus dans les églises. Non, tes fenêtres, ça, c'est pas du double vitrage. Tu peux les donner à voilà. Kim. Si jamais on voulait changer ces fenêtres, moi, je pourrais récupérer... Tous les verres m'intéressent. Je les recoupe. Et en fait, le fait de les texturer, de les mettre sur des moules, ça va leur donner cet aspect artisanal et puis les qualités, la sensibilité... de chacun. Et nous allons donc faire des moules, Stéphane. C'est d'accord. Ça, le programme. Tu as glané des végétaux et on va les former, en fait, dans le verre. OK. Ça te plaît? Ça me plaît. Allez. Mais oui.
I got a feeling they sit inside these bones of an explorer. Find me in the fauna and the flora, or out in Venice Beach, California, where pretty girls they roller skate. California love, it's the Sunshine State. Sometimes when it gets a little out of my head and my thoughts can't seem to relax, then I lift my head, lean on my good foot, keep it moving forward. Wow, super, ça rend super bien. C'est très en relief. Moi, j'aime bien les genoux du Guy. Les articulations comme ça, ça marche bien, là. Bien. Ouais, en relief, complètement. On voit le résultat final ici, je crois. Voilà, par exemple, donc la sortie de four. Donc, on a cuit tout ça ensemble à 830 degrés. Et on arrive à avoir le verre qui épouse voilà, la forme du végétal et quasiment un bas-relief. Parce que là, il y a du volume. En fait, on peut vraiment faire du volume. Et avoir autant des petites tiges assez fines comme sur les graminées ici que des branches un peu plus épaisses et qui vont vraiment faire du volume. Bravo Kim, c'est ce qui est très intéressant, c'est de voir ton expérimentation, ta recherche autour du végétal. Merci beaucoup pour cette initiation. Merci. Et maintenant pour le portrait de la semaine, deux hommes, Johnny Rass et Jean Boucaud. Ils parcourent le monde avec le langage des oiseaux dans leur bagage. Chanteurs d'oiseaux, c'est leur profession et ils nous offrent un petit moment de poésie. Oh, la passion, c'est l'histoire d'une rencontre. Sur le chemin de l'école, en rentrant à pied, j'ai été survolé par une troupe de goélands. J'ai poussé leurs cris et ils m'ont répondu. Et à partir de ce jour, ce premier oiseau, cette première rencontre, j'ai voulu tout le temps revivre ce moment et apprendre tous les chants d'oiseaux du monde. Il a fallu trouver des techniques pour siffler, il a fallu trouver des techniques pour chanter avec des voix un petit peu plus aiguës que le chant du goéland. Et c'est là que je me suis rapproché du père de Johnny, et puis après d'ornithologues, et puis après de gens qui sifflaient pour essayer de comprendre comment on pouvait faire vibrer le son et avoir la note parfaite. Mon père connaissait très bien la baie de Somme, il était berger en baie, et tous les jours il entendait des oiseaux, donc il connaissait les mélodies. Donc il donnait des cours, enfin Jean en tout cas a demandé à mon père pour qu'on lui donne des cours, et tous les jours il venait. Donc moi j'ai dû m'éclipser, j'écoutais en cachette, ce que mon père racontait à Jean, et en cachette j'ai été chercher l'oiseau emblématique pour mon père, l'oiseau virtuose, qui est le merle noir, qui est l'oiseau le plus compliqué à imiter je pense, le plus virtuose en tout cas. Et c'est comme ça qu'a débuté l'histoire des chanteurs d'oiseaux. Notre complémentarité, elle se joue parce qu'on n'a pas le même rapport avec l'oiseau. C'est vrai que j'ai un regard un peu naturaliste et des fois je suis même un peu voilà, dans l'extrême. Je voudrais vraiment qu'on arrive à faire le chant parfaitement. Et parfois Johnny, lui, il va inventer. Dans son ressenti d'oiseau, il va apporter quelque chose de scénique, quelque chose de parfois de plus puissant aussi, et qui va justement parfois me sortir aussi de mon caractère un petit peu trop précis sur le chant. Et c'est ça, on va être vraiment complémentaires. Parce que pour imiter, il faut penser oiseau. Moi, quand j'imite un rossignol, je deviens rossignol et je fais une sorte de Madeleine de Proust, c'est-à-dire une mémoire émotive. Je me replace dans mon enfance, puis je me replace dans la roselière. Je suis au bord du roseau, je chante, je déclame. Pour quelle raison? Et puis, est-ce que je suis un rossignol courageux? Est-ce que je suis un rossignol timide? Est-ce que je suis un rossignol amoureux? Il y a tout ça qui vient s'ajouter. Une alouette, par exemple, ça a un son continu durant 9 minutes. Et ça survolte, ça virevolte. Donc, on est obligé de s'élever. On est presque obligé, voilà, de se mettre sur la pointe des pieds pour chanter. Là, on entend l'alouette et vous voyez, il est obligé de bouger un petit peu. Il devient oiseau. Et là, on peut s'imaginer les ailes. Et là, il se lève, et c'est l'ascension de l'alouette, du mâle de l'alouette. On le voit très bien. Voilà. Il va chercher en haut, la lumière. Ce qui est magique, là, c'est qu'il y a une communication qui se fait. C'est-à-dire que chacun attend que l'autre réponde avant de s'exprimer. Et il y a un discours qui se fait, un dialogue. Quand on chante avec un oiseau, tout ce que l'on dit, ça a une signification pour l'oiseau. Là, avec le rouge-gorge, quand on arrive, quand on s'annonce, nous, on fait des petits cris de contact. Ça veut dire juste « je suis là, tu es où ?»« Je suis là. » Et il nous répond « je suis là. » Et là, le petit jeu, c'est justement de le faire, non plus faire le cri de contact, mais faire le chant. Et là, on va lui faire le chant territorial. Et là, en réponse, le rouge-gorge a fait son chant territorial. Donc, on va leur répondre avec le même chant territorial.
Et là, ça va avoir tendance à, justement, à vouloir le lancer, à s'exprimer un peu plus. Et là, on va le voir monter dans l'arbre pour nous dominer. C'est-à-dire que naturellement, il va montrer que c'est son territoire en s'élevant dans l'arbre. Et jusqu'à la fin, l'apothéose, où il est au-dessus de nous, vraiment à la verticale. Et là, il déclame tout ce qu'il a, tout son récital. Et quand on a ça, quand on a ce cadeau d'un petit concert de rouge-gorge, je pense que là, on est au... Voilà, on n'est plus des êtres humains, on est juste des oreilles, des yeux qui écoutent et on prend une leçon. Ah, un G. Une citelle. Incroyable. Alors c'est mauvais signe d'entendre le G. Hein. C'est-à-dire qu'on a été repéré. C'est un peu quand même l'alerte de la forêt. Ouais. Et donc quand le G chante, généralement, les oiseaux derrière se taisent. Et c'est le cas. À l'écoute des chants d'oiseaux, ce qui est magique, c'est qu'on peut prédire ce qui va se passer. On prédit les événements et surtout, on lit les histoires qui se passent autour de nous. On n'est plus sur nous-mêmes, en fait. On est sur des êtres vivants qui vivent des histoires, donc des attaques de rapaces, parfois, mais aussi des scènes d'amour, des petits confins, des petits confroids, et on entend tout ça. Et là, c'est une bergeronnette perdue qu'on entend. Il y a une petite bergeronnette qui est en train de chercher des amis. Elle est toute seule en migration, elle est complètement perdue, et elle appelle au secours. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Attendez, voilà, on l'entend, elle est perdue. On a la chance de grandir dans un territoire qui était riche en oiseaux. Évidemment, ce qui est triste, c'est qu'on pourrait se demander si des enfants du même âge qui naissent maintenant auront ce bain de champs d'oiseaux pour devenir ce qu'on est devenu. Mais déjà, il y a un grand changement, parce que quand on va voir des enfants, on leur demande « Est-ce que tu peux me faire un oiseau ?» L'enfant, il fait « Ah oui, je sais faire le hibou. » Et il fait « En fait, c'est pas un hibou, déjà. C'est une tourterelle turque. Et surtout, quand on demandait aux enfants, il y a 50 ans, il ne faisait pas le hibou, il faisait le coucou. Et tout de suite, il disait le coucou. Et en fait, ça veut dire que la mémoire des enfants a changé. Il reste 30% des coucous par rapport à il y a une cinquantaine d'années. Donc évidemment, c'est plus du tout dans l'imaginaire. Le chant du coucou a disparu de l'imaginaire de l'enfant. Donc on voit vraiment une évolution. Et ça, c'en est une preuve. Et il y a moins de biodiversité sonore. On entend moins de fauvettes à tête noire, on entend moins de pouillots, on entend moins. Et notre rôle, finalement, c'est aussi de mettre en valeur ce qu'on entend. C'est-à-dire que le but que le public vient nous voir en spectacle, ce qu'il nous dit souvent, c'est que le lendemain, on n'écoute plus les chants d'oiseaux comme avant. C'est pas anecdotique, ça appartient à notre univers sonore et c'est vraiment à mettre en exergue et à protéger. C'est ça notre mission sur Terre, c'est justement de montrer cette beauté et que voilà, en plantant des arbres, en plantant des haies, en faisant attention aux éléments qui nous entourent, on fait le panorama sonore de notre enfance. Petite plantation pour vous faire plaisir, vous réjouir. Exactement, parce que c'est la saison. Sainte-Catherine, tout bois prend racine, c'est passé, on est en plein dedans. Il nous arrive des belles choses tous les jours et voici entre autres un viburnum odoratissimum copper top. Copper top, pas crop top. Non, pas crop top. Bon, laisse tomber. Donc, viburnum, eh bien, c'est ce que nous appelons une viorne. Okay. Il y en a de toutes sortes. Oui, tu nous en as déjà parlé. Il y a des viburnums qui perdent leurs feuilles, d'autres qui les gardent toute l'année. Il y a toute une multitude de plantes sous ce chapeau, le genre viburnum. Odoratissimum, cela nous dit que lorsqu'il fleurit, il sent très bon. Il est odorant. Oh. Odorant et très mellifère. Et copper top, c'est parce que ces feuilles, lorsqu'elles débourrent, prennent cette couleur rouge cuivre. Très joli. Copper, cuivre, top, top. On the top. On the top. Donc, c'est une plante qui est très intéressante dans la mesure où, dans un jardin, ouais, d'autant plus qu'ils sont petits aujourd'hui, nos jardins, c'est bien d'avoir des plantes qui marquent le rythme des saisons. Et celle-ci, en fleurissant, en changeant de couleur, elle fait ce travail-là et donc elle nous rend le jardin distrayant. C'est une plante qui a été
créée aux États-Unis par un certain Paul Klinger. Oui. Et depuis quelques années, les viburnums ont été très sollicités depuis quelques années pour créer de nouveaux cultivars. Maurice Laurent, en France, par exemple, on a inventé une belle ribambelle que nous retrouvons dans tous nos jardins. C'est une plante qui est assez conciliante avec le sol, excepté qu'il ne soit pas trop calcaire. D'accord. Et qu'il soit plutôt frais. Ici, c'est le royaume de la fraîcheur, donc tout va bien. On est dans ton champ d'expérimentation et au moins là, tu as de la place aussi. Bah, y a encore un petit peu de place, oui. Mais en hauteur, ça donne quoi? Alors, 3 mètres de hauteur, 2 mètres d'envergure. Oui, c'est ça aussi. C'est beau, ça oui. va être bien. Et là, en fait, l'idée, c'est que le bouleau pousse vite. D'accord. Et qu'à son pied, il y ait une sorte d'une masse. Densification. Ouais. Il faut qu'ils s'entendent bien tous les deux. C'est un pari? Tu n'as jamais fait cette combinaison? Non, mais... Mais tu y crois. Voilà. J'y crois. Bon, allez, on le plante. Qu'est-ce qu'il te faut comme mélange? Alors, moi, j'aimerais qu'on rajoute 2 seaux de compost à la terre qui est extraite et puis 2 poignées de cornes mélangées avec du sang broyé. OK. Voilà. Histoire de l'aider à s'installer, qu'il trouve un peu de vigueur pendant cet hiver, le temps qu'il s'enracine. J'ai fait une fosse de 50 cm, un peu plus même, et autant de profondeur. Ça suffit. OK. Go. Voilà. Hop, c'est bien. Un petit paillis. Voilà un paillis pour garder la fraîcheur, un arrosoir. Voilà, monsieur. Et voilà. Alors, tu l'entretiens comment? Quelle taille? Bah, écoute, peut-être que j'ai envie qu'il mesure 3 mètres de hauteur sur 2 mètres d'envergure, mais si mon jardin il est trop petit, je peux éventuellement le tailler. Alors, soit à la fin de l'hiver, d'accord. Généralement, c'est ce qui se pratique, soit après la floraison. Ce qui fait qu'il refait de nouvelles pousses et pour le coup, il est rouge un peu plus longtemps. Et tu peux le tenir en boule? Tu voulais quelque chose de très dense en bas. C'est un arbre que tu peux planter dans les haies ouais. ou en isoler. Dans une haie, tu es obligé de le tailler, plus ou moins, de le maintenir et de le densifier. Donc il est très... Oui, les viburnums, ils sont super pour ça. Parfait. Merci Stéphane. Et maintenant, un sujet intrigant et intéressant avec notre partenaire, l'Ami des Jardins. Vous le savez, les plantes n'ont ni neurones ni cerveau, comme l'être humain ou le règne animal, et pourtant, elles sont capables de mémoriser des informations. C'est ce que les scientifiques appellent la mémorisation écologique des plantes. Avec les variations climatiques récentes, les plantes sont confrontées à des situations de stress. Vagues de chaleur, périodes de sécheresse ou de fortes pluies, ces conditions affectent de nombreuses espèces végétales, mais conservent-elles une mémoire de ces événements? À l'INRA de Clermont-Ferrand, Bruno Moulia explore la capacité des arbres à se souvenir des différentes conditions climatiques, qu'il s'agisse d'une brise légère ou des secousses intenses d'une tempête. Donc là, il y a un capteur qui mesure la croissance en diamètre, c'est combien l'arbre fait de bois. Et ici, il y a un capteur de température. Et ici, en fait, il y a un capteur qui mesure la déformation au vent, ce qui va subir du vent. Quand il y a du vent, ce qu'on a montré, nous, c'est que l'arbre va réagir en faisant beaucoup plus de bois pour se renforcer. Le vent, c'est un grand danger pour les arbres et c'est très variable. Et donc, des fois, ils vont sentir du vent, des fois, pas trop de vent. Et donc, toute la question est de savoir comment ils mémorisent ça, comment éventuellement ils s'habituent au vent ou pas. Donc ça, c'est la plante qui a... Celle-là, elle a 3 jours, hein, c'est ça? Ouais, elle a 3 jours. Alors, cette plante, on va essayer de mimer l'action du vent. Donc, le vent, ça va fléchir la plante. Et donc, ici, le moteur va pousser la plante et elle va sentir comme un coup de vent, en fait. Et on va voir qu'est-ce qu'elle reçoit, comment elle réagit au niveau électrique. Donc, on va voir s'il y a un influx qui circule dans la plante suite à ça. Alors, on le mesure avec une électrode. Hein. C'est comme un peu quand on fait, nous, un électroencéphalogramme ou un électrocardiogramme. Hein. Et on va voir s'il y a une dépolarisation électrique dans la plante. On voit très bien, elle était au calme depuis longtemps. On la fléchit, elle réagit, donc moins 15, c'est un fort potentiel électrique. Et ensuite, on lui refait une deuxième fois, et vous voyez que c'est 3 fois moins fort. Et donc là, elle s'est habituée, elle n'a quasiment pas répondu. Donc elle a gardé quelque chose en mémoire jusque-là pour pouvoir ne pas répondre autant. On pense toujours que les arbres, du coup, dans les zones où il y a beaucoup, beaucoup de vent, tout le temps,
ils vont être énormes, ils vont surréagir. Mais non, justement, s'habituer avec leur mémoire, c'est que ça leur permet de ne pas trop réagir. Il n'y a pas de danger, il n'a pas besoin de surcroître. Mais s'il y a un danger devant, tout d'un coup quelque chose d'inhabituel, alors là, la priorité sera la sécurité. Donc, les arbres sont capables de changer en fonction de l'histoire qu'ils ont vécue. Donc, dans un sens, c'est une mémoire. Mais la particularité, c'est que c'est une mémoire pas à pas. Petit à petit, ils changent en fonction de ce qu'ils vivent pour s'adapter, pour s'habituer aux situations, surtout si elles ne sont pas dangereuses. Et donc, c'est un peu différent de chez nous, mais c'est quand même une mémoire, mais pas à pas. Si les végétaux ont la capacité de se souvenir d'un événement soudain, qu'en est-il des situations de stress hydrique ou de vagues de chaleur? Les arbres peuvent-ils transmettre ces informations à leur descendance? À l'Institut de recherche sur la forêt et le paysage, des biologistes se penchent sur la mémoire de jeunes pins. Je mesure la hauteur de ces arbres. Et à première vue, vous voyez que ces jeunes plants sont différents. Ils ont le même âge et proviennent de la même population d'arbres. Les arbres mères de ceux-ci ont été irrigués pendant presque 15 ans. Et les arbres mères de ceux-là ont poussé dans des conditions naturelles. Et vous voyez que cela a vraiment un effet sur la génération suivante. Donc, ce n'est pas seulement la hauteur. Ici, les tiges sont beaucoup plus fines. Et cela s'appelle un effet épigénétique. Et c'est vraiment la mémoire qui est transférée, et c'est vraiment important. Donc, ces mères étaient habituées à des conditions sèches, avec peu d'eau, et un contexte contraignant. Cela signifie que ces arbres sont adaptés à des conditions difficiles. Ils peuvent y faire face. Ceux-ci, les mères ont toujours poussé avec un bon approvisionnement en eau, donc ils ne vont pas bien résister aux conditions extrêmes et au stress hydrique. Les périodes de chaleur intense et d'autres facteurs de stress affectent le patrimoine génétique des plantes. Ce phénomène, connu sous le nom de mémoire écologique des plantes, intéresse désormais les scientifiques qui cherchent à comprendre si ces changements sont durables et s'ils peuvent améliorer la robustesse des futures générations. Dans cette expérience-là, on est surtout intéressé au stress-chaleur. On veut savoir quel est l'effet de stress-chaleur sur la plante. Et est-ce qu'elle va s'en souvenir dans les prochaines générations? Donc là, on est en fait dans des descendants de plantes qui ont été stressées, donc on a la prochaine génération. Et donc, on va extraire l'ADN de cette feuille-là. Et ensuite, on pourra faire des analyses dessus pour voir s'il y a ces marque-pages dans le génome qui ont changé à cause du stress. Nous comparons les différents signaux entre la mère et les plantes issues de cette même plante mère. Et nous avons pu identifier qu'elles ont les mêmes marques que la mère produit lorsque celle-ci est stressée. Cela leur sera utile à l'avenir pour mieux faire face à toute situation environnementale difficile ou à des conditions défavorables pour la plante. Nous, on a un cerveau, donc on a des neurones qui font des nouveaux réseaux. Et c'est ça, la mémoire. Il n'y a pas de neurones chez les plantes. Mais elles ont trouvé un autre moyen de stocker l'information. Donc, l'environnement impacte l'ADN de la plante et ça, c'est sauvegardé et transmis aux prochaines générations. Donc, on peut voir ça comme une mémoire, mais c'est une mémoire moléculaire. C'est pas une mémoire comme chez les humains, bien sûr. Ce qu'on fait maintenant aussi, c'est, par exemple, on perturbe un peu cette mémoire chez le blé pour voir après s'il peut s'adapter plus rapidement à un environnement qui change. Donc là, on a des applications directes. On voit, on a des blés qui sont plus résistants aux maladies, etc. Parce que le plus gros défi pour l'humanité, les prochaines 25-50 années, c'est le réchauffement climatique. Donc on doit trouver des moyens pour adapter les plantes plus rapidement au réchauffement climatique. Cette recherche fondamentale peut être directement utilisée. Et c'est ça notre motivation principale. Il est temps de célébrer les fêtes et surtout de bien accueillir les gens chez soi.
Oui, dire bienvenue avec une couronne de bienvenue. Tu adores ça. Bah écoute, regarde, ça c'est pas moi qui l'ai faite. Elle est très belle. Elle est sublime. Mais j'avais envie justement de faire une chose relativement simple, relativement facile à faire, en utilisant ces couronnes de paille. Ouais. Ça fait à peu près 20 ans que nous nous en servons. Et donc là, ce que j'aimerais, c'est faire quelque chose avec trois matériaux. Après la tempête, il y a une branche d'arbousier qui est tombée. Oui. Donc, Arbutus unedo. Ça va faire comme le laurier, tu vois. Ouais. Sauf que c'est plus petit que le laurier. Et là, comme j'ai voulu faire une petite couronne, ça va être parfait. Ça, de la fougère, parce que la fougère pour faire un fond, c'est extraordinaire. Et puis de la mousse, parce que j'avais envie de varier les plaisirs. Mais en fait, tu peux aussi trouver d'autres couronnes, hein, campagne, ou la faire toi-même. Bah, tu peux faire une couronne avec des branches d'aulne. J'aime bien aussi. Ça, c'est très, 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 très joli. Et puis la faire toi-même en torsadant de la paille. Mieux vaut éviter les matières synthétiques. Effectivement. Voilà. Je ne vais pas te contredire là-dessus. Donc, l'idée, c'est de commencer, tu vois, comme... C'est comme ma couronne d'empereur, tu vois. Voilà. Donc, les feuilles de l'arbousier vont être positionnées pour se rejoindre vers le haut. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, tu vas m'aider à décortiquer les branches d'arbousier pour récupérer les feuilles. Ouais. Et puis, on va commencer en épinglant nos feuilles. D'accord. Pour aller en marche arrière. Oui, bien sûr. Enfin, tu comprends. Pour camoufler à chaque fois les épingles. Exactement. Pour que la tête de la feuille, le haut de la feuille, cache tes épingles. Et là, il va falloir les croiser, je pense. Your mama should feel so insecure. Will you believe me? She won't know more. Maintenant, on va juste mettre de la mousse, plaquer de la mousse comme ça, okay, pour couvrir les dernières épingles sur à peu près cette largeur-là, de façon à avoir une deuxième tonalité. Et ça va tenir avec du fil de nylon que je vais entortiller autour de la mousse. Ok, ça devrait aller assez vite. Oui, j'espère. Voilà. Donc là, ce que nous allons faire, c'est continuer avec le fil de nylon. Ah, on coupe pas. C'est pour ça qu'on coupe pas. Je vais simplement plaquer... Fougère séchée. La fougère séchée. Qui a une très jolie couleur. C'est très beau. Mais il faut que j'en mette beaucoup. Cette couronne trimatière prend vie. Je suis d'accord avec toi, on va rajouter d'autres. Donc ce qui serait bien, c'est de prendre des cynorhodons qui sont ici, des bonnets d'évêque qui sont ici. C'est trop beau ça. C'est très 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 joli. Et moi, je vais les glisser là-dedans comme je vais pouvoir. Résultat, roulement de tambour. Oh non, mais c'est tout simple. C'est très joli. Ça coûte élégant. Rien. J'adore. Ça, c'est très très beau et on y revient tout à l'heure. Ce fusain d'Europe. Oh là là là. C'est la plante de la semaine. Joyeux Noël. Et maintenant Stéphane, nous partons en balade avec l'un de tes jardins chouchous, le jardin d'Albertas. Un endroit magnifique, baigné de lumière mais aussi d'histoire, avec une grotte de fraîcheur. Et ça, par les temps de canicule, on en rêve tous. En 1673, les noces de Madeleine de Séguéran et de Marc-Antoine d'Albertas scelleront pour toujours le nom des jardins d'Albertas. Aux portes d'Aix-en-Provence, un jardin sans château. Le luxe ici, c'est l'eau. Elle coule en abondance et s'exprime de mille manières. Daniel, nous sommes ici au jardin d'Albertas. Ce qui est extraordinaire de cet endroit, moi que j'adore, hein, c'est qu'on a un jardin incroyable et l'entrée ne se fait pas par les grilles, mais ici, et vous allez m'expliquer pourquoi. Mais c'est le rêve inachevé des jardins. Ici, devait y avoir probablement un château, une construction derrière nous, qui n'a jamais été réalisée. Et ces deux sphinges que vous voyez là de part et d'autre, qui sont la représentation féminine des sphinx, symbolisent l'entrée du jardin et le questionnement qu'on va se poser en déambulant dans le jardin, parce que c'est vrai que la déambulation dans le jardin est toujours source à questionnement, quoi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de regarder les collines de chaque côté et de voir la fraîcheur de cet endroit. Il y a de l'eau. C'est le génie du concepteur des jardins, en fait. C'est d'avoir capté les sources qui sont au-dessus de nous et qui alimentent tous les jardins de façon gravitaire. Mais finalement, elles retournent au Grand Valat, en fond de la propriété. Vous avez un ruisseau qui est alimenté par les eaux du jardin, quoi. Oui, elle ne fait que passer, finalement. Elle ne fait que passer. C'est des jardins qui, pendant un certain temps, ont été un peu laissés à eux-mêmes. Ça a été abandonné à peu près un petit siècle.
Et un petit siècle, quand mon grand-père Jean d'Albertas a récupéré ce jardin, il faut imaginer que partout, vous aviez une végétation exubérante qui avait complètement envahi et le jardin n'était plus lisible. Et donc, ça a été le grand projet de la vie de mon grand-père. Et il a retrouvé l'architecture du jardin en faisant d'énormes travaux, notamment devant le bassin des Tritons. Vous aviez des mattes absolument phénoménales avec des arbres dedans qui avaient pris le dessus. Et depuis quelques années, le jardin est ouvert au public et vous continuez de fouiller et de restaurer. Avant tous travaux qu'on engage dans les jardins, on a une phase d'archéologie pour essayer de se rapprocher par la restauration de l'existant. Mais par exemple, les trois bassins qui sont au-dessus de notre tête ont été restaurés il y a peu. Tout à fait, c'est Anne Aliment qui a fait les fouilles archéologiques et qui a retrouvé notamment le système racinaire qui nous a permis d'aligner les buis, mais aussi les trois bassins, les deux quadrilobes et le polygone. Nous sommes venus ici il y a une vingtaine d'années et il n'existait pas encore, et ça requalifie et ça augmente la présence de l'eau. Laure-Hélène, dans un jardin comme celui-ci, la rigueur est de mise. Et ce n'est pas si simple que cela. Alors l'idée, c'est quand même de garder les petits murets visibles, alors 20 cm en dessous des murs, pour qu'on ait vraiment ces lignes. C'est important parce c'est que... C'est très important parce que... C'est on comme a un trait de crayon. Ben, c'est ça. C'est un jardin qui a été dessiné il y a très longtemps. Et l'idée, c'est de garder cette écriture. Il y a un nouveau petit jardin. Oui. On y va ? Qui est très intéressant. Donc ici, nous sommes dans un endroit qui a été réinventé récemment. Il fallait imaginer un sous-bois complètement laissé à l'abandon. Et donc l'architecte Juliette Aftek a pris le parti de rendre un peu de visibilité à cet endroit complètement abandonné. Moi, c'est un endroit que j'affectionne parce qu'il a ce côté un peu Madeleine de Proust. Le jardin d'enfance dans lequel on se promène et on découvre un sous-bois. Et c'est un bel endroit aussi pour voir le jardin qui est en bas. Donc on peut se promener et puis on arrive sur ce belvédère et on observe le jardin comme si on s'était posé un petit instant pour souffler et l'apprécier. Les historiens ont longtemps cru que ce jardin était 18e et finalement c'est une Britannique qui est venue vous prouver le contraire. Tout à fait, grâce à Louise Leeds, qui est historienne anglaise, qui est tombée sur un acte notarié qui date de 1640 et qui décrit le jardin, ce qui nous a permis d'avancer la date de ce jardin d'un siècle. D'un siècle. Et la grotte de Fraîcheur ? Et la grotte de Fraîcheur a été créée par Henri de Séguéran au XVIIe siècle, ce qui représente vraiment la valeur du personnage, puisque créer une grotte de Fraîcheur dans son jardin, c'était un objet de grand luxe, quoi. C'est aussi une conjugaison particulière de l'eau, hein. Je dis toujours, moi qui suis ORL, quand on rentre dans un jardin, il faut éveiller ses cinq sens. Et le sens de l'ouïe est révélé par l'eau. Et d'où notre attachement à retrouver l'origine de l'eau pour essayer de la sanctuariser, de la pression immobilière. Et justement, cette pression immobilière, la ville se densifie tout autour du jardin. C'est une bénédiction, un endroit avec autant d'arbres, autant de verdure et autant de fraîcheur. Ben, c'est une volonté familiale, hein, de préserver ce jardin, de l'inscrire dans les monuments historiques et donc d'essayer de préserver ses alentours et notamment l'arrivée de l'eau, quoi. L'eau des jardins, c'est l'âme des jardins, hein. C'est pour ça qu'ici, j'ai toujours bonheur à venir ici passer quelques instants. Il y a une énergie qui vient de l'eau qui est fabuleuse, quoi. Depuis 3 siècles et demi, l'eau coule dans les bassins des jardins d'Albertas. Préserver cette ressource tout en l'aménageant est une préoccupation plus prégnante aujourd'hui. La beauté du lieu et l'histoire dont il témoigne ne manqueront pas d'influer pour que les jets d'eau ne tarissent jamais. Apprécier le fusain d'Europe dans la couronne de Stéphane. Nous l'apprécions maintenant en pleine terre. Dans une haie, voilà. Euonymus europeanus, c'est une plante de la famille des Selastracées.
Celle-là, il fallait nous la faire. Elle est originaire d'Europe, ouais. Jusqu'en Sibérie occidentale. Tu ne le trouves pas sur le pourtour méditerranéen. Son petit nom, c'est Fusain d'Europe ou encore Bonnet d'évêque, parce que ses baies ont vraiment cette forme-là, c'est assez rigolo. C'est un arbuste au feuillage caduc. Ouais. La floraison intervient en avril-mai, très discrète, tu vois rien. Et en automne, apparaissent ces baies qui sont absolument miraculeuses, merveilleuses. Bicolore, Stéphane, trop joli. Oui, c'est très couture. C'est vrai. Shocking pink et orange, c'est ravissant. L'arbuste va mesurer donc 3 mètres de hauteur sur 2 mètres d'envergure. Aimer les sols riches, profonds. Une exposition donc soleil mi-ombre, idéale dans les haies. Il va résister à moins 15 degrés. En fait, j'adore cette plante parce qu'elle donne de la couleur aux haies en hiver. Ses baies sont fabuleuses. On peut s'en servir effectivement comme petit accessoire décoratif. Il faut simplement savoir qu'elles sont toxiques pour les hommes et pour les mammifères. D'accord. Les oiseaux s'en arrangent très bien. Donc, ces baies, comme ça, avec des arilles, c'est comme ça que ça s'appelle, orange. Ah. Les oiseaux mangent, je ne sais plus si c'est la peau, c'est comme le hou. D'accord. Si c'est la rille ou le pépin. Mais les oiseaux s'en nourrissent et s'en accommodent très, très bien. Stéphane, c'est pas la seule que tu as là. Hein. J'en vois un peu partout autour de moi. Dans les haies, ici, j'en ai planté à peu près une centaine. Ah oui. Euonymus europeanus. Grosse passion. Pour la suite du Pas de panique, nous retournons chez Charlotte avec pas mal de questions. Comment planter un Gunera ? Quelle plante pour un sol très humide et avec peu d'ensoleillement ? Et surtout, Elliot va-t-il se passer de ses buts ? La réponse tout de suite. Stéphane a retrouvé Charlotte sur son terrain qu'elle investit peu à peu. Les jeux de ballon ne sont plus d'actualité. Elle aimerait une plate-bande devant le pignon voisin. Le dessin propose un arbre, des arbustes, pour un résultat animé, coloré. Est-ce que ça vous convient ? Ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi aussi. Voilà. Donc, Charlotte, les buts ne servent plus. Oui. Donc, on va pouvoir, au cordeau, tracer une plate-bande. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on ait deux passages de tondeuse en bas de ce petit dénivelé. D'accord. La tondeuse, elle fait 60, donc ça fait à peu près 1,20 m. Voilà. Et puis, deux passages de tondeuse au pied des fargessias. La même chose au pied du petit fossé qui est ici. Et là, puisque la plate-bande va au-delà du pignon, jusqu'ici, on va garder un passage et demi, de façon à avoir un triangle comme ça et quelque chose d'un peu généreux et épais. Ah, super. Le mètre est calé sur 1,20 m. C'est parti pour les cordeaux qui tournicotent dans les mains de l'arpenteur. Les bordures sont coupées à la bêche. Le gazon découpé en carré, puis déplaqué. Le motoculteur ameublit cette terre bien grasse et compacte. Charlotte et Elliot approchent les plantes que Stéphane dispose. Les fosses sont creusées. Elliot a déjà le bon geste. Il brise le chignon racinaire d'un Ligustrum sinensis Lemon and Lime. Voilà, il est petit. Mais il va être grand. Voilà, les Gunera manicata sont des plantes qui apprécient autant l'humidité dans le sol que l'humidité dans l'atmosphère. C'est une plante qui est d'origine subtropicale. Elle est originaire du sud du Brésil, profitant d'une hygrométrie très, très importante. Et alors, c'est très drôle parce que dans le jardin de Silence, ça pousse, j'en avais planté sur des talus. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'eau au pied, mais pas du tout, très peu. Et pendant des années, ils ont été très prospères avec des feuilles qui faisaient 2 mètres d'envergure sur des pétioles qui étaient à peu près hauts comme ça. C'est splendide. Puis, il y a 3 ans, il y a 2 ans, et l'année dernière, les étés ont été de plus en plus arides et l'atmosphère de plus en plus sèche. J'ai vu les feuilles, d'année en année, devenir de plus en plus petites. Et cette année, où le printemps a été pluvieux et l'été plutôt humide, j'ai à nouveau, dans les endroits à l'ombre, des grandes feuilles comme cela. Donc, je crois que ça ne pousse pas très, très vite. Donc, dans 4 ans, on pourra profiter de ces grandes manicata comme des mains. Voici un Fatsia japonica pour l'ombre. Puis, vers la lumière, des Pittosporum tenuifolium, variegata et banobaies. Plus grand, un clairodendron tricotorum porte ses jolies baies. Voici des pseudopanax et des hydrangea. Ah là 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 là. Bon, celui-là, on lui a laissé un petit peu plus de place.
écoute, c'est formidable parce que nous avons les hydrangeas, paniculata, lamblite, que tu aimes bien, qui peut être un grand, grand sujet. Et puis les pseudo-panax, les saunies, qui viennent des mers australes, les rustiques à moins 3, moins 4 degrés. Donc ici, dans ce climat océanique doux, il n'y a aucun souci. Ça peut mesurer 3 mètres de hauteur. Donc il faudra peut-être le tailler un tout petit peu, de façon à ce qu'il ne devienne pas trop large. Mais en même temps, on a envie d'avoir ces beaux feuillages qui sont persistants toute l'année. Et peut-être de travailler les hydrangeas pour qu'ils soient un peu en retrait, en les taillant. Et puis de laisser ceux-là aller plus vers le soleil du soir. Des fougères, des graminées qui excellent à la saison comme les caryoptéris, des anémones du Japon, des sauges à petites fleurs, des œufs chers, un paillis de bois raméal fragmenté forme un lit épais avant l'entrée des lanternes. Charlotte, Elliot, c'est fini! Alors, est-ce que cette plate-bande joue et potentiellement à même de jouer le rôle que tu voudrais qu'elle ait? Ah bah parfaitement. Là, c'est magnifique. C'est beaucoup plus beau que j'imaginais. Même avec le dessin, je trouve ça encore plus beau. Je vois qu'il y a un arbre qui va pousser. Ça va habiller tout le pignon du voisin. La Gunera, quand elle va grandir dans l'angle, ça va être magnifique. Eh bien, quand je me mets là, dans ma cuisine, j'avais vu sur le pignon. Et là, je vais peut-être devoir me lever un peu plus tôt pour rester un peu plus longtemps devant ma fenêtre. Et toi, Elliot? Bah, c'est bien plus beau que mon but. Il y a plein de couleurs, c'est très joli. Donc, ça vous plaît? Ah oui. Vous êtes content? Oui. Et moi, je suis ravie. Dans la journée, la cage de foot a laissé place à un bel ensemble. Le clérodendron Trichotorum va grandir. Son ombre légère laissera tous les arbustes de taille plus modeste se développer paisiblement. Le Gunera va lui aussi prendre son essor. Bientôt, les plantes seront le motif à admirer devant le pignon voisin, qui finalement sera devenu le fond sur lequel elles se détachent. Que vous appréciez le résultat de ce pas de panique et sachez que Stéphane peut débarquer chez vous. Et pour cela, il vous suffit de vous inscrire et de pianoter France.tv, de regarder aussi sinon ça pousse autant de fois que vous le voulez. Et quand Stéphane arrive chez vous, il vérifie sur les tables basses si vous avez écouté nos conseils lecture. Et cette semaine, il y en a des nouveaux. Je ne suis pas comme ça. Tu mais regardes, là, pour le coup, je pourrais l'être. Voici Patrick Graviou. Lui, il est docteur en géologie. Éric Orsena. On connaît. De l'Académie française. Notre ami Éric Orsena. Des illustrations de Stéphane Kiel chez Gallimard Jeunesse. La Terre racontée aux enfants. C'est... Moi, je trouve ça génial. Donc, des illustrations très, très efficaces. Un peu tonitruantes. Mais en même temps, l'histoire de la Terre, elle est tonitruante. Ça n'arrête pas d'exploser, ça n'arrête pas de se réchauffer, les continents de bouger, tout est expliqué là, comment la vie apparaît sur Terre, comment l'air devient, l'atmosphère devient vivable et respirable. Tous ces phénomènes qui se déroulent sur plusieurs milliards d'années sont racontés les uns après les autres de manière très très claire, ça m'a beaucoup plu. C'est pour les plus petits, mais pour les plus grands, il y a toujours de Pierrick Graviou et Éric Orsena, la Terre expliquée cette fois-ci aux enfants. C'est plus pour les collégiens et plus pour des gens comme moi, comme toi, comme nous, les grands. C'est complet et c'est bien de revenir sur l'histoire de cette planète, franchement, et de comprendre tout ce qui s'est passé pour que nous en soyons arrivés là, le temps que ça a pris et peut-être l'intérêt d'y faire attention. Oui, et c'est vrai qu'au moins ça permet de répondre à toutes les questions de nos enfants, parce qu'on n'a pas toujours les réponses. Pour ma part, je vous ai trouvé ce livre magnifique d'une personne que l'on aime beaucoup dans Silence, ça pousse, Jennifer Hart Smith, qu'on avait eu en plateau pour parler de ménopause. Bouillon bienfaisant, c'est son dernier ouvrage. C'est aux éditions Hachette Cuisine. Comme d'habitude, elle nous régale. Très bel ouvrage sur les bouillons. Et les bouillons, ça rappelle tellement de choses de l'enfance, mais aussi c'est tellement réconfortant. Il y a vraiment des aliments qu'on n'a pas l'habitude de travailler. C'est pour ça que cet ouvrage est intéressant à avoir chez soi. Par exemple, le bouillon de chou rave, houblon, marjolaine, mélisse, ou encore le bouillon de miso, champignon, adaptogène. Alors, je ne savais pas aussi, Stéphane, toi non plus, je pense pas,
que ces bouillons, ils étaient bien aussi pour les enfants, pour les troubles d'apprentissage. Apparemment, le docteur Natasha Campbell-McBride, qui est une neurologue et neurochirurgienne, eh bien, elle dit que pour les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, il faut avoir, bien entendu, une alimentation adaptée et les bouillons. Donc vraiment, c'est intéressant à feuilleter, mais aussi à faire chez soi. Surtout, l'hiver arrive. Oh, mais moi, depuis qu'elles sont venues à la maison, j'arrête pas d'en faire. Ah, tu vois, elles t'ont convaincue. Que ce soit en entrée ou en plat, il faut déguster des bouillons. Bon, bah alors, passons en cuisine. Oui, on bouillonne de se revoir. Ouh, alors, à la semaine prochaine.